Et salut à tous, ravi de vous retrouver dans le comté de Travis aux États-Unis, à Austin, sur le circuit des Amériques, le magnifique tracé donc qui a fait son apparition en 2012 et qui est donc la 18e manche cette année du championnat du monde de F1. Ou alors je tourne donc cette vidéo juste un peu avant la course, donc qui sortira donc cette vidéo donc ce dimanche après-midi. Et donc j'ai pu voir donc ce qui s'est passé hier et avant-hier, donc notamment aux qualifications. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est ça qui est bien avec tous les grands prix qui se passent du côté américain, c'est qu'on a le droit à avoir un grand prix le soir. Et c'est fort agréable d'avoir de la F1 à la place du foot. Donc eh bien hier soir de ce qui s'est passé donc avec la pole position de Lewis Hamilton. Ici pour la première fois, hein, puisque c'est Nico Rosberg les 2 années précédentes qui avait soufflé la pole, et puis il y a encore les 2 années d'avant, en 2012 et 2013, c'était Sébastien Vettel. Donc vous en avez l'habitude, j'ai pris sur F1 2014 et F1 2015, comme enfin, sur F1 2014 qui fait partie du contenu 2015, et puis également aussi sur F1 2016 ensuite pour comparer les jeux, mais c'est bel et bien la voiture de 2014, la Mercedes. Pourquoi la Mercedes? Tout simplement parce qu'elle a été sacrée championne du monde il y a 2 semaines à Suzuka, avec la super victoire de Nico Rosberg tout en maîtrise. Et donc pour comparer les jeux également, hein, sur l'évolution titanesque, hein, qu'il y a eu chez Codemaster entre les 2 éditions, donc, hein, sur une édition donc, comme celle-ci sur la 2014, où la voiture est vraiment sur un rail. Dans l'Opus 2015, c'était absolument pareil. Et on va voir que la difficulté, même si le temps est meilleur, hein, sur F1 2016, eh bien que la difficulté est bien accrue et que la voiture n'est plus sur un rail comme elle l'a été par le passé, donc est vraiment une simulation F1, et on retrouve vraiment les sensations de ce qu'on voit à la télé, hein, et de la difficulté qu'on retrouve chez les pilotes à régler les voitures. On le retrouve vraiment dans F1 2016, et ça c'est vraiment très très fort de la part de Codemaster, parce que c'est vrai qu'on avait toujours l'habitude, hein, avant de prendre le réglage neutre et puis d'aller rouler et puis en claquer des chronos, et puis la voiture finalement allait très bien. Et bien là c'est terminé avec F1 2016. C'est vrai que si on prend les réglages du jeu, bon ben ça passe, hein, mais c'est vrai que quand on veut aller chasser le chrono et vraiment taper dans un niveau de difficulté vraiment plus haut, eh bien il va falloir aller un peu sur le reste des battements, piquer quelques réglages à droite à gauche, ou même si on est un peu costaud, aller pourquoi pas aller faire ses propres réglages nous-mêmes. Donc on a vu que, pour revenir à la réalité, que Lewis Hamilton avait réalisé donc le meilleur temps de ce tracé depuis 2012. Donc ça y est, ces voitures hybrides qui sont passées devant les V8, hein, notamment aussi grâce à, on le voit ici avec les super softs, hein, qui font leur apparition ici. Donc c'est la gomme la plus tendre qu'il n'y a jamais eu sur ce tracé. Donc, et puis aussi, bien entendu, les voitures qui ont bel et bien évolué, et surtout ce moteur Mercedes absolument exceptionnel. Ce moteur qui donc a lâché finalement qu'une pole par saison, hein, pour l'instant depuis 2014. La première fois c'était en Autriche, c'était Felipe Massa qui avait soufflé la pole au Mercedes. En 2015 c'était Sébastien Vettel à Singapour qui avait pris la première place. Et puis cette année c'est Daniel Ricciardo à Monaco sur un petit tracé, donc quand même 2 tracés en ville et un tracé en Autriche vraiment très très court, où on a vu vraiment les concurrents battre sur le tour rapide les Mercedes. Mais hier, il n'y avait encore pas photo, hein. On a vu que pendant le tour de Lewis Hamilton, il n'y avait absolument pas photo avec le reste du peloton. On a vu que c'était en dernière séance d'essai libre, hein, que c'était Max Verstappen qui avait vraiment réalisé un super chrono. On pensait tous que la Red Bull allait être vraiment au niveau des Mercedes. Il n'en est absolument rien. Le chrono réalisé par Lewis Hamilton est quand même à 5 dixièmes de celui de Daniel Ricciardo, et à 2 dixièmes donc de celui de son coéquipier. Le bouton magique, donc Mercedes, qui fait vraiment toujours, toujours des miracles. Et on sait tous qu'en plus de ça, eh bien, Mercedes a arrêté le développement de cette voiture donc il y a un petit moment. Et donc il travaille déjà vraiment sur cette voiture de 2017, où le moteur, on le sait, ne va pas changer. Où eh bien c'est vraiment l'aéro et la partie châssis qui va être modifiée. Mais pour l'instant, c'est vrai que même si Renault a beaucoup travaillé cette année sur le moteur et se réserve notamment pour 2017, même Ferrari qui a fait de grosses évolutions sur le moteur, c'est vrai qu'on a du mal à voir vraiment un changement et se dire que, eh bien, que dans les adversaires directs, même si Red Bull paraît très performant, soit avec un moteur au niveau dès l'année prochaine. Ça paraît quasiment impossible.
Donc, eh bien, on verra dès Melbourne l'année prochaine. En attendant, donc ce soir, 20h, passez un très bon GP des Amériques. Et puis, on se dit à très vite pour un hot lap et à très vite sur Forza Horizon. Allez, salut à tous.